مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamu alaikum mes frères et sœurs, je vous souhaite à tous un très bon Jumu'ah. Yawmul Jumu'ah Mubarak, Inch'Allah. Comme nous l'avons vu précédemment, sachez qu'il y a des actes qui font sortir de l'islam. Et parmi ces actes, il y a par exemple le fait de se prosterner pour une idole. L'idole étant ce qui est pris pour être adoré au lieu de Allah. Il y a aussi la prosternation pour un humain, dans le but de l'adorer. Et non pas seulement pour les salutations. Si c'est seulement pour le saluer, alors c'est un péché. Mais cela ne fait pas sortir de l'islam. Il y a aussi le fait de jeter le mushaf, le livre du Qur'an, ou l'une de ses feuilles. Ou même une feuille sur laquelle est inscrit le nom de Allah. Dans un endroit répugnant, comme dans une poubelle par exemple. Et cela volontairement. C'est-à-dire en sachant qu'il y a ce nom honoré sur la feuille, quelle que soit la langue dans laquelle ce nom est écrit. Allah, Dieu, God. Il est interdit de faire cela, même si celui qui le fait ne vise pas dans son cœur un manque de respect, car ce geste signifie à lui seul un manque de respect. Que Allah nous préserve de faire des choses qui contredisent notre religion. Après avoir cité certaines croyances et certains actes qui font sortir de l'islam, nous verrons dans nos prochains rappels les paroles qui font sortir de la religion, ainsi que ce qu'il est en devoir de faire pour une personne qui a commis l'une de ces choses. Barakallahu fikum, wa salamu alaykum. Ya Rabbi bil Mustafa wa alihi shurafa. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.